The trail is yours. And here's that something extra I promised you. I hope we'll be good neighbors. Thanks. I hope so too. See you around. Bah alors. Bah y'a pas la musique qui a réussi tout ça? Ah, oh, je suis déçu. C'est juste que ça a mis 30 ans à arriver. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et une remorque. J'ai gagné une remorque grâce à mon dur labeur. Regardez, j'ai retapé. Ah merde, pardon. Ouais, voilà. C'est bon. Pardon. Merci. Voilà. J'ai retapé toute sa baraque à ces enfoirés. Ils sont bien, ils sont neutres, ils sont beaux, ils sont en Alabama. Et du coup, j'ai récupéré ce véhicule qui est fort heureusement assez intéressant. Mais il va falloir que je me démerde pour amener le tracteur ici, le ramener. Et enfin, on va pouvoir aller couper du bois et le vendre. Gagner de l'argent. Incroyable. Voilà, c'est pour ça. On me dit que là, il y a un investisseur juste en bas. Et là, si j'avais été un pro du montage, j'aurais fait un cut tout cinématique du genre, tu sais, d'un Américain qui passe à travers le toit d'un supermarché. Tu sais, il y a des vidéos comme ça, genre les vidéos gags où, tu sais, les mecs, ils sont là dans la station-service et là, subitement, il y a un gars qui vient de l'étage du dessus, si tu veux, blablabla. Ça va rien dire. Hello there. Hello. I heard from my uncle Charles that you could use some help. Ah, c'est pas vrai, mais ouais. You're the young man Charles praised so much. Yes, I could use your help indeed. I need these summer houses finished. But my workers are sick at home. But I can't wait two more weeks. I'm not sure. I know a thing or two about repairs, but not much about construction. Not a big deal. I'll teach you. But you'll need dry planks for construction, too. You can buy them at the store, or produce some at the mill yourself. I'm going to pay you. So, what do you say? Ah, intéressant. On a les moyens de produire des planches, mais il faut que je les sèche, il faut que je ramène la remorque. On a notre boulot qui est devant nous, hein, mais pourquoi pas? Ça dépend combien il me paye, mais pourquoi pas? I say, you've got yourself a deal. All right. Take my lorry if you need a vehicle to transport planks. And remember, time is what matters. You'll get yourself a bonus if you finish it quick. Aha, ouais, mais j'ai pas les planches et j'ai pas les moyens, si tu veux. Builder, building with new materials. Alors par contre, à qui il veut les vendre ces cocksheds? Parce que... C'est les Neat House. Mais du coup, j'ai le droit d'utiliser ce véhicule. Goldie. Ah putain, et là j'exploite les bugs du jeu et je finis jamais sa quête à ce gros sac à merde. Et si je finis jamais sa quête, j'ai jamais à lui rendre son camion. Paf, 18 000 euros d'économiser. Moi je pense que la question elle est toute répondue. Et voilà. De toute façon j'ai pas les planches alors... C'est bien beau, mais... Et en plus, il faudrait genre 2 semaines avant que les planches, elles soient sèches. Donc, je l'aime bien, mais... Mais il ira poliment se faire foutre, quoi. Vite répondu. C'est une stratégie de droite, ça? C'est une stratégie de zadiste, mon gars. Les vraies strates. Oh, le bug exploit. En plus, elle roule, hein. Elle roule, elle déconne zéro, hein. Alors ici, il faut que je trouve des moutons. Là, c'est une vieille qui veut que je lui rase la touffe. Là, il y a un petit secret, comme ça dit. Oh là là, mais mamie, sa maison, elle est déglingosse. Est-ce que c'est... Je vais laisser le véhicule là. Bon, attends, on va essayer de passer ça. Voilà, très bien. Hop là. Regardez, on le voit. Il y a un mec, il espionne ma tante. Alors il croit comme ça, c'est la liberté. Il peut espionner, rester ici, passer sous les tours de guet, pas se prendre un carreau d'arbalète dans la toche. Oula, ils sont deux. Ah, elle se casse.
Oula, 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 bonjour. Voilà, elle a eu un développement capillaire soudain. Voilà, c'était. Elle n'est pas allée chez le coiffeur pendant 29 jours et 23 heures et 59 minutes. Et là, soudainement, boum. Voilà. Excuse me, sir. What are you doing here? Me? Fishing. Why? Why? Well, it seems you've been acting a bit strange for a fisherman. My Aunt Grace told me you ran away and hid when she saw you. Mister, you gave the lady a hell of a fright. Oh, I'm so sorry. I know Grace very well, and I promise I'll explain everything to her. I just wanted to prevent rumors. I'd rather have my wife not know I'm here. Really? Why's that? Well, you look like an honest young man. So what the heck? I'll tell you. You see, I am Ryan Leuwarden, the local deputy mayor. Oh. I'm very well known here. But it's not enough for my dear Abby. Aim higher, she says. My papa would be ashamed, she insists. So, anytime I'm off fishing, I pretend I'm off on some important business. Or at a meeting, you know. She would be ashamed if she thought I was only fishing, like a peasant. But I love fishing. You should see the catfish I caught here last week. Oh là 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 là. I don't know much. Le mec va à la pêche pour esquiver sa morue. I can teach you. But I'd need a little favor. Would you go and tell my wife I'm off to a board meeting and we'll be back tomorrow? You see, fishing under the stars is just amazing. Oh là 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 là, Brokeback Mountain. Alors pour ceux qui ne lisent pas l'anglais ou ne le parlent pas, c'est bonjour, vous êtes qui au fait? Attendez, je peux tout expliquer. Vous avez fait peur à ma tante, donnez-moi une réponse. Non, 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 mais c'est ok, je la connais votre tante. Non, je suis machin Leuwarden, je suis le maire de cette ville. Ah, le maire de cette ville. Oui, 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 et je me planque pour empêcher qu'il y ait des rumeurs. Des rumeurs? Exactement. Ma femme, voyez-vous, elle aime pas du tout que je parte pêcher. Et moi, être maire, ça m'excite zéro. Et ma femme, elle est toujours là. Oui, tu devrais être sénateur, président des États-Unis d'Amérique, c'est terrible. Et moi, je suis là, mais non, je veux juste pêcher de la morue. Et il me dit, écoute, mec, je peux t'apprendre à pêcher. Et je peux même prendre un petit pot de vin. Si tu vas dire à ma femme que je suis à une réunion des directeurs. Voilà. Dis que je suis réunion des directeurs, réunion des actionnaires. Dis que je me fais sucer par ma secrétaire, elle comprendra. Voilà. Alors que moi, en vrai, je pêche de la morue, mon gars. Je pêche de la truite. Oh là 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 là. Et viens avec moi et on passera la nuit à la Belle Étoile à pêcher de la truite ensemble. Et moi, bon, comme j'aime le maire, l'État et la société dans laquelle j'ai été élevé, bien sûr, je me plie à l'autorité. Sure, no problem. Oh là 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 là. Mais pendant que lui part pêcher de la morue, moi je vais aller voir sa femme et on va voir à quel point c'est une sardine, hein, parce que ça se trouve, y a moyen. De faire un petit repas complet. Allons-y. C'est important, les enfants, de se nourrir avec un apport calorique fixe. Putain, mais c'est héron au pif. Enfin, c'est des cigognes, mais... Je vais aller glisser un mot à sa femme, bien sûr. Vas-y, Bob Cuck le maire. J'avoue, divin. Si c'est ça le scénar, c'est divin. En même temps, entre l'herboriste qui n'attend que de se faire planter des fraises. Qu'est-ce que... Ah, un téléphérique. Enfin... Oui, si c'est ça, c'est un téléphérique. Voilà, très bien. Vous avez vu cette conduite en 3D? Incroyable. One Star Oil. Ah, ici ça vend de l'essence. Très bien, pour l'instant on n'a pas de problème avec l'essence. Ah, je suis allé trop loin, demi-tour. Voilà, très bien. Ça construit des choses ici, mais j'ai pas encore appris à faire la construction. Et accessoirement, j'ai pas de planche encore. Oh, je fuis, qu'est-ce qui se passe? C'est de la fumée ou... Ouais, si, c'est bon, c'est de la fumée. J'ai cru que je lâchais de l'huile. Ok, tout va bien. Oh, la pollution, mon gars! Oh
là 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 là, ça parlait de fermer une centrale nucléaire, mais là... Ma voiture qui vomit les kilomètres. C'est... La voiture qui est là... Analyse, analyse... Brrr, nature, objectif, détruire. Le degré de violence. Degré de violence. Ok. Sauver le maire Ryan. Lol. Allons voir Abigail. La femme du maire. Pouh, Abigail, ça. Abigail, c'est stylé comme nom. C'est le genre de nom... C'est le genre de nom de femme avec des couettes, tu peux leur attacher les mains avec, hein. Ouah ! Réponse, mon gars. Allons-y. C'est stylé. C'est stylé, c'est stylé. Prenons à droite. Oula. Hop. Speed boy. Impeccable. Gasoline burning, speed boy. Yes. Voilà. Très bien. Mrs. Abigail Louvarden? Yes. Ah! You can't tell that to anyone. Ah! Understand? Ah! Alors, un, elle est mignonne. Everyone's heard about it already. Et de deux, ah! Votre mari m'a envoyé, il me demande de me dire qu'il est dans une réunion des actionnaires. Alors, comme moi, je suis un pégu au pif, c'est aléatoire. Par contre, j'avais raison, elle a une queue de cheval, hein, donc... Les couettes, elles y sont, hein. Vérité, votre mari est parti pêcher comme le sac à merde qu'il est. Allez, vas-y. Normalement, c'est bros before rose, mais là, on va mentir parce que je veux prendre sa place. Voilà, je n'ai qu'un objectif, c'est de le remplacer pour moi-même contrôler... Les news. C'est ça qui est bon. Allons-y. Your husband has gone fishing, but he was afraid to tell you. He'll be back tomorrow and just didn't want you to worry. I know. I'm surprised. I don't mind. I have no idea why he is hiding this passion of his for fishing. That's but you are so an honest typical. Young man, and I appreciate you telling me the truth. Thank you. Here, can take we do this. Something about it? Oh là 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 là! Oh, du miel! Mais qu'est-ce qu'elles ont, les gonzesses? Ça me filait du miel, yeah, ici, c'est trop so bien! Bon. Et du coup, il a aucune raison de craindre sa femme. À mon avis, elle ment. Le mec qui refuse. Le gars qui est unhinged, tu sais, qui a aucune limite, qui refuse de croire une grossesse qui lui dit non, mais il y a aucune raison. Je sais pas pourquoi il cache sa passion pour la pêche. Il a le droit d'avoir des passions quand même. Elle ment. C'est un piège. Ah putain. Mais du coup, la voiture qui est un peu loin là. Ouais, mais ouais, il va falloir. Je suis désolé, mais il va falloir. Bref, genre, ça va. Oui, ça va prendre 1000 ans, mais que voulez-vous, hein. À un moment, il faudra. Hein. On tourne à gauche quand ce sera la rue et on sera chez nous. Ouais, très bien. Au moins, on pourra y aller dessus. Voilà. Et ben vroom, mon gars, à 20 km/h, hein, grosse aventure, hein, fais voir. Oh. Si je mets ça, est-ce que c'est à hauteur de vitre? Est-ce que je peux empaler un conducteur avec ça? Ouais, c'est pas mal. Hein. Plus qu'à trouver une voiture qui acceptera de se prêter à l'expérience. Bob prend les bus avec le transpalette. Qu'est-ce que tu... Oui, bonjour, est-ce que vous allez jusqu'à Châtillon? Ça vous dérange pas d'abaisser l'entrée handicapée? Qu'est-ce qu'il y a, vous avez un vélo? Oui. Bip, bip, bip. Le degré de violence. Oh, c'est en pente! Oh, c'est la pente, mon gars! La pente, c'est la vitesse! 20 km/h!
La Max. Utilise le transpalette pour soulever la meuf du maire. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Est-ce que je raconte une autre anecdote? Très probablement que oui, hein. Très probablement que oui. Alors, nous étions dans les 12 années 97, 98, 80, 96, hein, dans ces eaux-là. Je le sais parce que je faisais partie d'un tennis club. Hein, voilà, je faisais du tennis quand j'étais petit et j'étais jeune. Et mon daron faisait du tennis aussi, notamment avec ses amis. Ça le maintenait, ça faisait du sport et puis ça leur faisait une petite journée, c'était cool. Et généralement, c'était le perdant paye l'apéro. Voilà, c'est le perdant qui paye le pot et qui nourrit la famille de l'autre chez lui le soir même. Voilà, c'était... Reviens! Tant pis. Bon, tant pis. Mais du coup, voilà, c'était le défi. Et du coup, il faut savoir que comme on était dans une toute petite bourgade, qui s'appelait Pont de l'Isère, mon père avait les clés du bâtiment, littéralement. Il avait les clés du truc de tennis, avec le parc de tennis, parce qu'il faisait partie du club officiel. Bon. Il est en stress, ce cochon. Parce qu'il passait du club officiel. Bon, très bien. Moi-même, j'avais accompagné mon père ce jour-là afin de me battre contre le mur. Vous savez, c'est un grand mur vertical qui sert d'adversaire au tennis. C'est-à-dire, je fais du squash, quoi. Tu sais, je tire contre ma propre balle. Et là, il finit son match contre le pote. Le pote se tire. Et nous-mêmes, on va dans les vestiaires histoire de poser les affaires, prendre la douche, changer de fringue et la totale. Et là, le téléphone sonne. Le téléphone du local sonne. Le téléphone du local de tennis sonne et il n'y a personne et ça sonne. Alors mon père, tu sais, il me regarde, il y va, il décroche, parce qu'à l'époque on décrochait nos téléphones, on n'était pas des espèces de gros lévriers terrifiés à l'idée de décrocher son téléphone, si tu veux. Voilà. Il décroche le téléphone. Oui, bonjour, c'est le Dauphiné libéré, j'appelle afin de connaître les résultats des poussins et les scores pour le foot, parce que c'était l'endroit où il y avait aussi le stade de foot, des matchs du trimestre dernier. Mon père, sans problème là, bien sûr, eh bien écoutez, quel score vous voulez savoir? Alors, j'aimerais savoir comment ça s'est passé, la Roche de Glun contre les poussins de Tournon. Ah, petit match, 3-2. Oh, 3-2. Oh la vache, ça devait être intense. D'habitude, on les avait donnés gagnants, c'est là. Ouais, non, mais 3-2, je vous dis, palpitant. Et du coup, la Roche de Glun contre eux. Ah, 5-0. Oh, 5-0, mais c'est une peignée, on s'y attendrait jamais. Absolument fou. Ah ouais, il fallait voir le match. Hein, ils n'étaient pas en forme ce jour-là. Hein. Ah, oh, d'accord, pas de problème, attendez, avec la voix ça donne ça. Hein. Très bien, et du coup, est-ce que vous avez le match de Chanos-Curson contre Châteauneuf? Ah, 0-0. 0-0 et la mi-temps, les buts en or? Non, 0-0 parce que l'arbitre a déclété, il faisait pas beau ce jour-là, donc tout le monde est rentré. Ah, bah j'imagine. De toute façon, c'est un match de poussin, donc c'est pas très important. Ouais, ouais, absolument. Et, et ça continue comme ça pendant environ 20 minutes. Et moi, sur le côté, crédule, je me dis, putain, tu sais, pendant les 5 premiers scores, je me dis, ah, mon père, il sait ça. Bon, bah, balèze, si tu veux, tu vois, balèze, le daron, il est au courant. On n'a aucun membre de la famille qui fait du foot chez les petits, mais beaucoup de familles, des amis de nos potes, faisaient du foot. Donc, on se dit, bon, bah, il sait peut-être. Le deuxième, ça passe, troisième, quatrième, cinquième, à la sixième, je commence à lever un sourcil, si tu veux, même du haut de mes 8 ans, si tu veux. Je commence à me dire, attends, ils seraient pas en train de se foutre de leur gueule. Et ça dure environ 17 minutes. Le lendemain, mon père m'accompagne à l'arrêt de bus de l'école, exprès, pour aller chez le libraire, acheter le Dauphiné libéré, si tu veux. Pépouze, hein, tranquillou. Et regardez les scores. Et effectivement, page 16, dans les scores poussins, les scores machin, c'est tout. Toute l'almanach des scores et des échanges. Alors 7-0, 5-2, 3-3, 0-0. Aucun score du genre 1-0 ou 2-0. Hein. C'était que des scores de champion du monde, si tu veux.
Et il l'achète et il se marre. Et il dit, tu le dis pas à ta mère. Donc moi j'ai rien dit forcément. Oula. Tu le dis pas à ta mère, donc moi j'ai rien dit forcément. Et du coup voilà, et bien évidemment, le surlendemain, oui, petit erratum, suite à apparemment les résultats faux que nous aurions publiés hier. Apparemment notre journaliste a trouvé des mauvaises informations et nous avons consulté directement avec le truc des sports de Valence. Mais l'erratum qui faisait genre deux colonnes d'excuses. Et en plus, un erratum de Dauphiné Libéré, en plus il était vénère cet erratum, je me souviens, parce que on m'a expliqué que c'est des résultats de sport et on déconne pas avec ça, si tu veux. Ils devaient être ultra vénères les lecteurs. Donc du coup voilà, parce qu'imagine, t'es content, t'es Billy, t'as fait un match et t'as gagné 2-0, et on t'annonce t'as perdu 7-1. Voilà. Mais pour sa défense, et ça mon père l'a dit, quand notre pote Gilly, qui était venu le voir, lui dit « Putain, mais tu déconnes. » Là, quand même, tu déconnes. Tu pousses. Et il dit « Ah non, mais pour ma défense, le mec au bout du fil ne m'a jamais demandé qui j'étais. Jamais demandé qui j'étais. Il m'a jamais demandé mon prénom. Il m'a jamais demandé pourquoi je répondrais à cette heure. Il m'a jamais... demander quelle responsabilité j'avais, qui existe, enfin, rien, il n'a rien fait, il a littéralement fait du journalisme AFP, si tu veux, du journalisme AFP qui nous sort, qui nous sort, je controverse mais je m'en fous, qui nous sort, voilà, nous avons écouté l'intervention de Didier Raoul à l'Assemblée Nationale de 3 heures. Voici les 7 points, top 7, littéralement c'est un top 7, hein, je vous mens pas, c'est à l'AFP pour les vérifier. Top 7 de pourquoi il a tort. Et tu sais, bon, bah, c'est des points les uns après les autres, de toute façon moi je rentre pas là-dedans parce que ça m'intéresse pas cette histoire, je m'en bats les couilles. Mais il y a un point dedans que j'avais lu, qui est genre le cinquième point. Top 7 de ce qu'il dit et ce qui est faux. Et tu sais, il dit des trucs et ils disent voilà notre contre-argument. Et il y avait je crois que c'est le top 5 qui dit je ne suis pas un prophète, la médecine c'est une science, on ne peut pas demander aux gens d'être un devin. Et écrit noir sur blanc juste en dessous, voici pourquoi c'est faux. Nous allons donc réputer le fait qu'un homme devant l'Assemblée nationale prétend ne pas être un profane ou un devin fou. Et nous allons maintenant vous montrer par A plus B pourquoi cette chasse aux sorcières est complètement faillie. Et moi j'étais là, mais je regardais ça et j'étais là, quelle que soit ton opinion sur le sujet, hein, parce que je suis sûr vous allez vous battre dans les commentaires, je suis sûr il y a mille et un arguments à faire, niquez-vous, je m'en bats les couilles, amenez ça ailleurs, ça m'intéresse pas, voilà, je m'en bats les couilles. Mais, outre ça, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, tu sais, d'être dans un camp argumentatif, tu sais, d'un côté ou de l'autre, et que vous essayez d'avoir un argument, une discussion, un débat avec quelqu'un d'en face, qui est dans un camp opposé et qui lève des arguments, et toi aussi. Et là, il y a un connard qui est dans votre camp, mais qui met un argument tellement fallacieux et tellement nul que là, t'es là, oui, Roger, je te remercie, mais arrête d'aider. Clairement, t'aides pas là. Roger, Roger, est-ce que tu peux arrêter d'être un grossier fils de pute, voilà. Parce que là, tu desserres la cause, Roger. Et du coup, voilà. Et à mon avis, l'AFP s'est un peu pris pour ça. Alors, je veux pas dire, parce que je rappelle que l'AFP, c'est de là que toutes, je dis bien toutes, les médias, qu'ils soient papier, internet ou quoi que ce soit, tirent leurs sources, si tu veux. Ils sont la source de l'AFP. Sauf que les sources de l'AFP elles-mêmes, c'est des stagiaires et ces sources, on m'a dit. Voilà. Source, c'est la maîtresse qui l'a dit d'abord. Alors, honnêtement, ça m'intéresserait de savoir si dans le public, dans mon public là, il y a des vrais journalistes. Voilà. Il y a des vrais journalistes. Qui sont forcément des gens bien puisqu'ils me regardent. Donc déjà je commence, tu vois, je me les mets bien. Qui sont forcément bien puisqu'ils me regardent. Mais je
est-ce qu'il y a des... l'argument fallacieux. Est-ce qu'il y a des vrais journalistes qui le regardent et qui peuvent nous préciser comment ça se passe? Source. Source de point TKT. Source de point Wikipédia et Wikipédia source TKT. Voilà, je... Est-ce qu'il y en a qui peuvent m'expliquer comment ça marche? Parce que je suis génuinement, c'est-à-dire réellement, curieux. Pour de vrai, hein. Pour de vrai, pour de vrai. Je suis réellement curieux. Je me suis toujours demandé... Enfin... Qu'est-ce que tu bases comme étant une vraie source? Et à quelle proportion... À quelle proportion... tes pigistes sont des stagiaires. Voilà, c'est... à quelle proportion... À quelle proportion en 1996 ou 97 et en 2020 ça a changé? C'est-à-dire qu'en 2020 on fait des trucs, on essaie de prouver des trucs qui font absolument aucun sens avec des non-arguments source de points TKT. Et en 1996, mon père, alors oui, les Billy de la Roche de Glin contre les Billy de Valence 7-0, oui, les Poussins de Pont-l'Isère contre les Poussins de Tournon 4-1. Est-ce que en 25 ans il y a quoi que ce soit qui a changé en fait? Par contre vous faites rire parce que dans le chat sur la source sur la tête de ma mère, source le salon de coiffure de mamie, source voilà je te jure frère. Et est-ce que c'est vraiment bien? Parce que l'AFP, moi, j'y connais rien. Donc, ça se trouve, c'est juste un écart rare, si tu veux. C'est un écart rare. C'est juste que c'était tellement... Dans ma tête, moi, qui cherchais à m'informer... C'est ça, en fait, brave Jean. Je cherchais même pas à me politiser. Je cherchais à m'informer. C'est pour essayer d'être un peu moins con, tu vois. Je cherchais une position neutre. Position neutre. Position neutre, mon gars. La position neutre de tirer les bons tuyaux, si tu veux. Eh ben, mon info, c'est pas du sirop. Je crois que c'est vite décidé. Je crois que ça a été vite décidé. Ah, putain. Mais vous savez, alors vous êtes là, mais Bob, du coup, comment t'as vu cet article en premier lieu? Eh ben, rigolez pas, mais tous les soirs, quand je vais me pioter, je me mets devant 2-3 vidéos YouTube afin de m'endormir, des trucs pépères, parfois juste de la musique, j'ai le casque et j'ai la tablette. Bon, j'ai la tablette. Et en fait, quand tu allumes ta tablette, pour ceux qui ont un Android, parfois tu as Flip News, je sais pas comment ça s'appelle, Flip Page, un truc qui est installé de base, qui te met la température, les news et Flip News, voilà ça, les gros titres. Et Flip News tire 90% de ces news par les pages de l'AFP, si tu veux. Voilà. Quand j'ai vu le titre du truc, c'est les contre-arguments de la conférence de Didier Raoult que j'ai entendu parler vaguement, hein. Vaguement, parce que, encore une fois, il est important de le préciser. Venez pas me donner la leçon et essayez de m'expliquer ce que c'est, parce que je m'en bats les couilles. Voilà, j'espère que c'est clair. Et je me suis dit, parce que si j'avais envie de savoir qui c'était, ou ce que c'était, ou pourquoi c'était intéressant avant, maintenant c'est plus le cas, si tu veux. J'ai bien compris que si du journalisme neutre pouvait même pas être neutre, alors l'opinion des gens, j'ose même pas espérer le principe de l'une... Le principe de neutralité, si tu veux. Donc, du coup, voilà. Et du coup, je vois ça, et j'ouvre ça, et donc, j'ai lu ça, et dans ma tête, j'étais là, mais... All right, no worries. You can fish all you want. Thank you. Now I can teach you something about fishing. But hey, you do need a fishing rod, you know. Go and see Jack at the store. Tell him I sent you, and he will give you one. Free of charge. Thanks for your help. See you later. Now hush. Don't scare the fish. Ah super. Va, merci, tu m'as fait une solide. Va parler au gars du magasin et il va te donner une canne à pêche gratos. Maintenant vas-y, fais pas peur aux poissons. Fais peur aux poissons.
Et du coup, voilà quoi. Et voilà. Après, ça se trouve, j'ai tort sur toute la ligne. Ça se trouve, je dis de la merde. Ça se trouve, machin. Mais rappelez-vous, braves gens, ne croyez pas les sources. Ma source là que je vous donne, c'est t'inquiète, je suis Bob Lennon, TKT. Ça ne vaut rien. Parce que j'ai moi-même dit 1000 fois que j'étais pas ou mal renseigné. C'est juste que, de ce que j'en ai vu, d'où Jésus, quoi. D'où Jésus. Hello there, welcome to my store. Ça Hi. Donne pas envie, hein. Ryan sent me here. He said you'd have something for me. Ah yes, Ryan is a good man, I can tell ya. He helped me a lot in the past. Truth be told, I would not be standing here if he hadn't helped me. This is for you. I'm sure he'd like you to have this one. Light, strong, perfect for an aspiring fisherman. Thanks a lot. Ah. Ouais, canne à pêche. Oh gars. Marche pas? Merde, ça marche pas. Impeccable, c'est pas grave. On va essayer, ça va être fantastique. Mais oui! Je crois la question... La question, elle est vite répondue. Oh! Ah merde, ils sont pas là. Ils sont là, les poissons. Voilà. Gros bruitage. Source, t'inquiète, je suis auteur. Mais voilà, encore une fois, je m'excuse de mon inculture sur le sujet. Mais comment voulez-vous qu'un homme se cultive si la source c'est TKT, maman m'a dit. TKT, j'ai eu le père de Bob Lennon au téléphone, si tu veux. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. On vit dans une ère où les informations... Ah ! Ah ! Oh oui ! Oh, j'ai fish ! Une race très convoitée et rare de poissons. Le fish. C'est beau. Et donc je disais, comment veux-tu qu'un homme s'éduque s'il a accès à ce genre de truc ? Et le pire, c'est qu'on vit dans une époque... où il n'y a jamais eu autant accès à l'information, genre de tout, hein, et paradoxalement, où il n'y a jamais eu autant de pollution informationnelle. Au tel point où dire, demander la phrase « contexte » avec un point d'interrogation est vu comme étant un aveu d'extrémisme, si tu veux. Tu vois, Moi, je suis là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Après, je suis un dinosaure, les enfants. J'ai été élevé en 90. Hein. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein. Donc forcément, c'était un autre monde. Hein. Ça, je le reconnais bien vivant. Honnêtement, quelqu'un qui a été élevé durant les années 2010 et quelqu'un qui a été élevé durant les années 2040, je pense pas que le choc technologique, culturel ou même civilisationnel, il soit si impactant que ça. Je pense qu'il y aura une... voilà. Clairement, il y a eu un avant et après. Hein. Mais c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Putain, mais ça pêche ici, mais je vois pas de poisson. Là ! Ouh ! Alors, je sais même pas pourquoi je pêche, hein, mais ça m'intéresse. Que voulez-vous ? Putain, mais ils sont désintéressés. Sarama, ils s'en battent les couilles. Ok, bon, on espère que ça va bien se passer. Ah oui, voilà, je voulais dire que Metal Gear Solid 2, il était prophétique quand même. Il était prophétique à l'infini. Hein. C'est la violence. Hein. On peut se foutre de la gueule de Kojima, parce que ses scénarios sont tirés par les cheveux, ses twists se voient à des kilomètres parfois, et l'originalité avec laquelle il utilise les noms pour ses personnages est au niveau d'un enfant de 14 ans, ou d'un auteur... Oh oh
Le poisson, il était heureux de me voir. Voilà. Mais en termes d'analyse... En termes d'analyse sociétale, le mec, il était là. Hein. Bon, après, son monde avait un minimum de fiction, notamment le monde dans lequel un tank bipède capable de lancer des ogives était plus utile qu'un camion à silo qui fait la même chose, si tu veux. Mais bon, on peut le pardonner. Tu sais, sinon, il n'y a pas d'histoire. Hein. À un moment, s'il n'y a pas de robot géant dans Metal Gear, il n'y a pas d'histoire, quoi. Baisez-vous, faut... Bon, faut accepter, tu vois, la suspension est très d'unité, tu vois. Mais du coup, voilà. Non, lui, on s'en fout. J'ai du poisson, et bah, pas mal. On me dit, allez, oui, pardon, il faut récupérer ça. Keeper of the Forest, parlez à votre tante Grace. Allons-y. On va parler à Tantine un peu. Ah oui, c'est vrai, j'ai ce véhicule. Il est trop bien placé. Irréprochable. Would you please go and see Logan for me? I need you to give him this cake. Logan is the local forester. He is a good man, but sometimes he can be a bit grumpy. He lost his wife a couple years ago, but he's a good friend. Charles and I support him whenever we can. In return, he often helps us out as well. Cool. Fantastique. Mamie me dit, va aider Logan... Merde. Décidément. Ok. Deux bois ici. J'aimerais bien couper des bûches. On pourrait aller voir Logan au prochain épisode. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, je vais vérifier. Ah non, tout va bien. Mes excuses. Voilà, ça tapait à l'infini, on détruisait mon appartement, mais en fait non, c'est sa cuisine, j'ai rien dit. Mes excuses. Alors, ici je peux couper des arbres. Ouh, des champignons partout. Trop pur. Oh, des fraises, trop pures. Ok. Trop bien. Il y a encore des pommes, c'est bien. Ici, je peux couper des arbres, donc. Ça m'appartient, cet arbre. Ouais, il a l'air de m'appartenir. Mais il est beau, j'ai pas envie de le couper. Mais d'un autre côté, j'ai besoin de bois. Ah. Fine. Tant pis. Hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec des commentaires dissidents pareils et de la dissension, une chose est sûre, c'est que ça va être la guerre dans les commentaires. Je suis désolé d'avance. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est de pas les regarder, de rien y écrire et de respirer le grand air de la nature. C'est beau. Bonjour, Logan. Not so loud. What are you doing here? My Aunt Grace sent me to give you this. Grace is your aunt? I see. Thank you for the package. Grace is a great cook. Now off you go. I'm hunting here. What are you hunting? Poachers. They harm the animals. Destroy the forest. It's my job. I am the only forester in these parts. Can I help you? All right, if you like. But you need to stay close and keep absolutely quiet. If you make a noise or go farther away, I'll send you packing straight away. Understood? Got it. Alors son vernis à ongles est irréprochable. Alors, mais. Alors il y a Logan qui est là. Arrêtez, soyez discret. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Ma tati vous a donné ce gâteau. Oh merci. Je chasse des braconniers. Je suis le seul à faire ça dans la région et ils butent les animaux. Et moi je suis d'accord, je peux vous aider. Ouais, suivez-moi et faites pas de bruit. Et déplacez-vous doucement. Et là il est parti en mode speed boy. Hyper super, c'est Sonic! Hyper mystère, c'est Sonic! Putain. Ouah, mais...
Nani ? Oh le mec ! Et là, Q-Win, la musique d'Assassin's Creed 3. Il est avant, il en peut plus, hein. Puis il a des grosses foulées pour un mec qui a 64 piges, hein. Oh, c'est la cavalcade, hein. Oh, les virages! Ah, mais il faut que je reste proche en plus, hein. Alors, je veux bien, mais tu m'emmènes jusqu'où comme ça? Non, parce que des braconniers, moi j'ai pas que ces braconneries à faire. Mais on va où? Mais. Cette course du Terminator, quoi. Là, il y a un héron. Ok. Et puis le mec, il respire pas. Hein. Il court comme dans Matrix. Hein. Le mec, il est constamment en mode Nigelun Dayon. Putain, où ça? Mais tu les vois où tes traces? Putain. Hein? Il t'emmène là où la police trouvera pas ton corps. Mais c'est lui la police! D'ailleurs, question. Un garde forestier aux USA a-t-il la moindre forme d'autorité civile? Genre, est-ce que ça peut faire un shérif de... Genre, tu sais, est-ce que ça peut te coffrer, quoi? C'est pareil qu'un flic, d'accord. Source, le chat. Hein. Ils peuvent quand même foutre des amendes et tout. Ouais, mais un gardien de quartier peut foutre des amendes. Ça l'autorise pas à porter une arme en France, tu vois. Source l'AFP. Ouais mais Bob, toutes les informations et les processus d'obtention de ces informations est automatiquement biaisé, ne serait-ce que par les faits que tu choisis de relayer. Bien sûr qu'il y a toujours un biais dans les infos, braves gens. L'information objective n'existe pas. Mais, prenons un exemple sur Crane, qui est mon ami. Bien que je sais que si lui va me donner des infos qu'elles sont biaisées de son point de vue, il va quand même faire l'effort de me donner toutes les infos. Et si je demande des précisions, il me fera l'effort de les donner, si tu veux. C'est pas parce qu'il a une opinion qu'il ne peut pas se permettre d'être exhaustif. Tiens. De ne pas être exhaustif, pardon, justement. Il a peut-être une opinion, mais il a quand même... Enfin, moi, il me donne les faits, si tu veux... Il a le mérite d'être exhaustif. Qu'est-ce que... Moi, je récupère des champignons. Oh, le daim ! There, you see that? Le daim blessé ! Vite, vite, il me faut 5 cc d'adrénaline directement dans le thorax. Je vais essayer de communiquer. Ne paniquez pas. Enfin, je veux dire. Voilà. See that deer? Nice and easy now, lad. What happened here? Caught in a trap. Thought so. Poachers. Des braconniers. Not those nasty metal jaws. We can get him out of this. Can you help me? I'll try to free him, but I need your help. All right. What do I do? Try to keep the deer calm. Otherwise, he won't let me help him. Hold his head and his back. He looks exhausted, but is still very scared. Vite, il me faut 5 centilitres de plomb en fusil et 200 livres de sauce barbecue.
T'inquiète, t'inquiète, t'es une belle bête. Voilà. Je parle le daim. Il faut, sinon comment pourrais-je prendre plaisir en annonçant que je vais tuer leur famille aussi? Ah, c'est beau. C'est beau. All right, you've done it. Thanks for your help. Yes, we did it. I've never helped a real deer before. Stick around a while, and you'll get used to it. Now, I'll see if I can find some tracks. And you, off home with you now, lad. Je vais voir si je trouve pas d'autres traces, mais maintenant, rentre à la maison, hein, gamin. Ouais. Enfin, oui, mais la maison, c'est où? Le mec, il est paumé. Jamais il sort de la forêt. Alors, par contre, il y a une astuce pour sortir d'une forêt, les enfants. Il y a une astuce qui est mathématique. Tu sais, il y a toujours la fameuse astuce, oui, c'est dans un labyrinthe, garde la main à droite, sauf si c'est un labyrinthe qui ne suit pas les règles du labyrinthisme avec des salles uniques, si tu veux, tu t'en sortiras pas. Mais, il y a des règles mathématiques pour ça, je m'en souviens plus, mais ça existe. Mais, l'astuce pour sortir d'une forêt, vous êtes prêts? Astuce, mais invincible. Voilà. Tu prends une direction et tu marches tout droit. Voilà. Après, c'est juste une question de toi contre la forêt. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plus de forêt que toi, tu vas rester vivant longtemps, en fait? Si c'est pas le cas, bah t'as perdu, fallait pas se perdre en forêt, connard. Voilà. C'est pas de ta faute, mais c'est un peu de ta faute. Si c'est le cas, félicitations, tu as trouvé la civilisation. Suivre la route devrait te mener quelque part. Voilà. Y a pas un truc avec la mousse? Alors non, c'est trompeur. Parfois les arbres ont la mousse qui ne pousse pas vers le nord. Mais, ignore la mousse. Tu vois? Ignore la mousse. Prends une direction. Continue tout droit. Ça marche pas, on tourne naturellement d'un côté ou de l'autre. D'où le phénomène de retour sur ses pas. C'est parce que t'es pas assez discipliné. Mais si t'es, si t'es perdu dans la forêt amazonienne, en premier lieu, hein, c'est que il va se passer un truc, je t'explique, ça s'appelle le darwinisme. Voilà, c'est terrible. Terrible. Voilà. Après, c'est une astuce qui marche très très bien en Auvergne. Parce qu'en Auvergne, il y a plein de bourgs, il y a plein de petits villages, il y a plein de fermes. Et donc, t'as de grandes chances de... Oh, les chiottes! T'as de grandes chances de t'en sortir. Open, activate. Non, attends. Oh, j'ouvre la fenêtre, il fait bon. Après... Vous allez me dire, Bob, c'est vraiment une solution à la con. C'est vrai, mais vous êtes perdu en forêt en premier lieu. Tu t'attendais à quoi, si tu veux? Voilà. Tu t'attendais à quoi? D'ailleurs, on va dormir une semaine. Ouh. Ouh. Par contre, il est l'heure de se nourrir. Oh, les faillots. Gouh. La bière. Faillot et bière, mon gars! Le programme spatial de la NASA du Missouri est relancé! Moi, les bûches, je les envoie sur la Lune avec mon fion. Hein. USA! USA! La violence. Hein. Le degré de violence est absolu. Excusez-moi. Ma puce. Oh, ça a trop bon, ça a trop bon. Du coup, attends. Du coup, je voulais voir où en était ma sécherie. Où en était ma sécherie, brave Jean. Mais excuse, hein, je me suis fait interrompre. Tout va bien. J'ai encore trois bûches là, il va falloir qu'on les coupe, ça aussi. Où en est ma sécherie? 34. Ah! Donc j'ai dormi 7 jours et ça a baissé d'environ 70%. Donc encore une deuxième semaine et ça devrait. Et ça devrait le faire. Ça devrait le faire.
Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a une étoile là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une étoile? Je suis dans le doute. Je sais pas pourquoi là il y a une étoile. C'est toi qui l'as posé, c'est un repère. Ah bon? Pêche de coffre, Nani. Attends, j'ai déjà chopé un truc, on va voir. Il a l'air d'être beau là en plus. Voilà, il a l'air d'être bien beau, lui. Il a l'air d'être bien beau. Allez, viens là. Voilà, parfait. Ouh, il est dodu. Fiche, d'accord, ok. Il n'y a pas de différents types de fiches, allons-y. Il a disparu. C'est un marqueur que j'ai posé moi-même. Je suis un incommensurable. Fils de ma maman. Voilà. Le fameux marqueur au trésor du Lennon. Le fameux trésor du Lennon. Hein. Où il a enterré tous ses débilus, la légende dit. Fantastique. J'annonce fantastique. Tante Nilf, I've delivered your package to Logan. You were right. He's okay once you get to know him. Did he show you around the forest? Better than that, I helped him save a deer. That was something. Wow, that's great. I'm proud of you. Wouhou! Youpi! Et ben voilà! Et ben voilà, on est pas mal, on est pas mal. Combien j'ai de thunes? J'ai 300 euros, je sais même pas où est-ce que j'avais récupéré autant de pognon. Un épouvantail. Et une maison à abeilles. Enfin, un truc d'apiculture. Alors c'est bien, mais le problème de l'apiculture, c'est que j'ai pas les moyens, si tu veux. Il me faudrait plus de thunes que ça, et même si... Oh, le trébuchet pour le puits! Pour la guerre médiévale, mon gars, juste pour de la flotte! Oh là 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 là. C'est beau, hein. Ça c'est la vraie ferme, hein. C'est à l'ancienne, mon gars. Ça oui, local investors, ouais. Il va falloir qu'on se concentre... Aller voir notre copain. On m'avait dit qu'il y avait une quête avec un hôtel qu'il faut réparer. Ça m'intéresserait de savoir où est-ce qu'il se trouve. Voilà. Ça m'intéresserait de savoir où est-ce que ça se trouve si jamais vous trouvez l'info. Mais en attendant, on va utiliser. Ah non, attends, il faut que j'aille dormir. Si je dors pas, on n'aura pas le bois sec. On n'aura pas le bois sec. Ce jeu de l'infini, et encore, j'ai pas fait d'enfant à l'apicultrice, si tu veux. Tiens, une semaine. Mec, il a mangé une conserve de faillot et une bière. Une semaine. Le gars, il tourne au réacteur proto-nucléaire. Ses muscles, ils sont en microfibre. Oh, mes muscles, ils sont en microfibre de carbone! Le mec, c'est ordre compris, désactivation. Voilà, c'est la violence. La violence, c'est la violence. The Machine. The Machine. Tigre coupe du bois. Castor bois. The Machine. Alors, attends. Normalement, là, du coup, le bois devrait être sec. Si je ne m'abuse. On peut le voir plus rapidement, déjà, en prenant ce véhicule qu'il va falloir prendre, anyway. Oups. C'est bon. Une conduite souple, mais engagée. Ah merde, le verger. Le verger, léger, les verges. Ah putain.
Ok. Attends, c'est sec? À mon avis, ils sont secs, hein. À mon avis, elles sont sèches, hein. On va dire elles sont sèches. Oh là là, là là! Mais regarde ça, regarde-moi ce bijou! Panique pas. Prends ça. Voilà. Donc c'est bon à savoir. Ça veut dire que vaut mieux poser tout en haut plutôt que de se faire chier. Bah alors, voilà. Plutôt que de se faire chier. Ah putain, il a baisé le gravier. C'est bien foutu le gravier qui se bouge et tout. Hein. Quand même, les Allemands, ils ont fait un semi-bon jeu. Hein. Voilà. La passion par Julien Chiez. Impeccable. Fantastique son apparition dans le dernier joueur du grenier. D'ailleurs, m'a fait mourir de rire. Qualitatif. Voilà, très bien. Ok. Merde. Attends, pas encore. Voilà. Aha. Ok, c'est bon. Impeccable. Et ben, trouvons le moyen de sortir d'ici. Et en route, mauvaise troupe. Let's go. Voilà. Alors du coup, c'est là qu'il se trouve. Attends, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est là qu'il se trouve. Tout droit, tourne à gauche, puis à droite. Allons-y. Ouh! Ça, c'est pas mal, hein. C'est les risques inconsidérés. Pépé! Mémé! Pardon. Oh là 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 là! C'est stylé, hein! Et là, tu branches la radio américaine et t'entends. And every time we touch, I get this feeling. And every time we speak, I feel I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. Voilà. Bref, voilà. Grosse musique, hein. Grosse musique de bûcheron, hein. Merde, faut que je tourne à droite. À droite toute. C'est bon. Perso, ton gars a la main collée sur la main, a la main collée sur le levier de vitesse, ça me stresse. Pourquoi? Tu conduis des automatiques? Bah, c'est par là, ouais. Ouais. J'ai failli faire une retour vers le futur 3, mon gars. J'ai eu un petit instant de sudation. Je le reconnais volontiers. Voilà, qui devrait suffire. Pour l'instinct. Ok, très bien. Alors du coup, Charlie, comment combattis? Hello. Hi there. Gotta okay. Go. Ok, comment combattis? Prendre planche.
commençons par le sol, soyons logiques. Oh, c'est stylé, 98, d'accord, ça utilise deux planches par tic. D'accord. Oh là là, c'est beau. Alors c'est beau si on n'avait pas une planche qui te bloque 90% de la vue. Ce jeu nulos. Par contre, c'est plus un jeu de maçon que de bûcheron, hein, j'avoue. Hein. Mais bon. On va pas se plaindre, on est déjà on est content de l'expérience. Hein. J'étais venu pour bûcher, au final, j'ai cloué. J'ai bûché, j'ai cloué, j'ai ensemencé. Célèbre parole de Jules César. Ah, la porte, elle est fonctionnelle. Ça me rappelle une scène, pour ceux qui ont vu ce film, dans L'Homme Bicentenaire, avec Andrew, le robot. Tu sais, qui aime bien bosser le bois et qui travaille au bois et qui fait tout ceci ou autre. Et à un moment, bon, je le spoil, mais dans le film, il acquiert sa liberté, c'est-à-dire que son ancien propriétaire le libère et il lui dit qu'il est libre. Et du coup, Andrew, il va dans un coin au bord de la mer et il se bâtit une maison. Et la maison est intégralement en bois, en fait. Et tu sais, t'es persuadé qu'il a bâti ça en genre une semaine, même pas. C'est parce qu'il dort pas, il a besoin de rien, enfin, s'en bat les couilles, quoi. Voilà. Bon, c'est un peu venteux, c'est sûr. Putain. Voilà. Bon, le toit, il est fait. La question, elle est toute répondue. Toute répondue. Ah! Et j'ai utilisé l'intégralité de la palette, n'est-ce pas? Ah, d'accord. Alors, je me pose la question. Est-ce que le jeu, il est baisable? C'est-à-dire, quand tu vas vendre une palette à 300 euros au mec des transpalettes là-bas, là, si tu veux, quand tu lui vends la palette à 300 euros, est-ce que il tient en compte le prorata de planches restant sur la palette? Ou est-ce que il voit une palette de planches à deux unités, si tu veux, et il a ouais, 300 balles. C'est une vraie question, hein. Une vraie question sérieuse, parce que à mon avis, il y a peut-être moyen de regarder le jeu et de lui faire une petite faciale, comme ça. Test, hein. Ouais, mais je vais tester ça. Je vais essayer de garder cette palette jusqu'à 4 ou 2, si tu veux. 4 pour me donner une sécurité, parce que là, je voulais garder l'ancienne, mais je me suis fait avoir comme un con. C'est bon, j'ai fait cette maison, là? Apparemment, oui. Fais voir. Ah bah oui. Alors le mec il dit qu'il est bûcheron, mais sans déconner, il est maçon en fait. Putain, je sais pas vous, hein, mais moi je sens l'odeur du bois là. Je sens l'odeur du bois neuf. Hein. Oh. Aïe 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 aïe. Je sens l'odeur du bois neuf. Par contre, deux pans sans fenêtre, moi, j'aurais mis un pan sans fenêtre seulement. Ah, tu vois, j'aurais gardé ce coin là sans fenêtre, puis là j'aurais fenêtré. Mais pour là là, menuisier, maçon, je te jure, menuisier, pardon, excuse-moi, maçon c'est béton, pardon, 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 menuisier, excusez-moi, je suis pas manuel. Hein. Du coup, 98 planches, bon bah du coup, je vais réparer ça, et on se retrouvera lors du prochain épisode, chers amis, hein, dès que j'ai fini la quête, et que je la retrouve. Merci infiniment, hein, n'oubliez pas de vous abonner, de bûcher Brajan, et le prochain épisode, promis, 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 on ira couper du bois. On ira enquiller des bûches. On mettra du bois. On mettra le bois dans le petit babratiment, hein. On sera là vroom vroom. Et là boum, on ira vendre le bois. C'est ça qui est bon. Allez zou. Ah, miséricorde.